Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude et aujourd'hui je suis très content parce que je vais vous présenter un truc que j'aime bien, authentiquement. Le Jericho 941F, j'adore ce flingue, putain je l'ai retesté là juste avant la vidéo. Je kiffe sincèrement et je pensais pas que je kifferais autant. Premier truc à noter, comme toujours chez Imi Iwi, puisque c'est les mêmes, hein, voilà, c'est juste le nom qui a changé, c'est lourd comme une putain de vache morte. Mais on l'a extrêmement bien en main. Bon, là, évidemment, il a une poignée hog, hein, donc, ok. Mais on l'a extrêmement bien en main. On est bien dessus, ça colle bien. Enfin, en tout cas, à ma main, c'est parfait. C'est vraiment une prise en main qui est excellente. C'est une culasse qui est très basse. Nickel. En plus, il est beau, son. Les commandes sont impeccables. Mais impeccables de chez impeccable. Vous avez ici l'arrêtoir de culasse. Ici, la sûreté. Et on est super bien dessus, regardez. Hop. Super. C'est pile poil au bon endroit. Sans déconner, j'adore. Déjà, rien que ça, j'adore. Ensuite, donc, c'est en 9-19, hein, ça va sans dire. Culasse fluide. C'est de la grosse mécanique bien lourde, comme souvent chez Imi, mais bon, hein. On l'a super bien en main. C'est un bonheur, putain. Ça groupe super bien. Vous vous rendez pas compte à quel point ça groupe bien. Là, le carton est un peu merdique. Parce que, donc, je rappelle encore une fois mes petites cibles, là. Puisqu'on me l'a déjà demandé, donc je vais le redire une deuxième fois et après j'arrêterai. Ce sont des cibles, donc, de 12,5 par 12,5, 9,5 de diamètre, 2,5 de diamètre. Voilà. Vous savez tout et je suis à plus ou moins 10 mètres. Je ne suis pas exactement sûr, mais c'est un stand d'essai d'armurerie. Voilà. Tout ça pour dire, sur mes petites cibles, là, franchement, si j'avais un peu plus de... Si j'avais un peu plus d'entraînement avec ce Jericho, je ferais des super cartons. Et il y a moyen de faire des super cartons. Sur une C50, mais putain, tu défonces tout avec ça. Hein, parce que là, bon, les cibles sont petites, histoire de me simuler de la distance, même si c'est une simulation qui est un peu imparfaite. Enfin bon, bref. Mais... Oh ! Jericho 941F, là je pense que ça va être ma toute première, de toute l'histoire des trèfles, ça va être ma toute première très haute note. Putain, ça marche bien, ça bouffe tout, c'est souple, on l'a super bien en main, avec une poignée hog qui est pas compliquée à trouver, hein, ça va sans dire. Ah oh ouais, peut-être bien un 17 voire un 18. Hein. Oh, ça je kiffe et ça, celui-là c'est obligé, je vais l'acheter. Ça c'est obligé. Il a pas de décoque. Mais personnellement, je m'en bats les noix parce que j'aime pas tellement les décoques, en fait. Franchement, c'est pas mon truc. Franchement, ça c'est de la bonne canne. Et je ne vous laisserai pas l'avoir, il est à moi. Mon précieux. Oui, mon précieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau et tout le reste avec. Ciao.